بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous pour ce partage, inshallah, sur un thème qui m'est cher et que j'ai essayé d'exprimer par le titre Les secrets spirituels du jeûne du mois de Ramadan. En arabe, Asrar, Sawm Shahr Ramadan. On aura l'occasion de revenir sur cette notion. Pourquoi secret spirituel et qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression Asrar en arabe? Mais justement, pour bien comprendre cette notion de secret spirituel, peut-être il faut revenir aux fondamentaux et se poser la question de l'objectif spirituel du jeûne de Ramadan. Dans les différents actes d'adoration de l'islam, certains actes d'adoration sont directement transparents, comme la prière, et d'autres sont peut-être moins transparents dans leurs aspects spirituels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la prière, il est transparent qu'on s'adresse à Allah Ta'ala. C'est un moment qu'on va consacrer à lui, on se coupe du monde, on se coupe de toute activité et on est consacré à s'adresser à Allah Ta'ala, d'abord par des paroles qu'il nous a révélées, comme dans la sourate Al-Fatiha, mais aussi par des du'as personnels qu'on peut faire durant le sujoud. Donc on s'adresse à Allah, on se présente devant Allah et donc le sens spirituel, l'objectif spirituel, il est déjà transparent, je dirais, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit dans la prière. Ce n'est pas le cas du jeûne de Ramadan. Ce n'est pas le cas parce que le jeûne du mois de Ramadan, c'est simplement une abstinence. On s'abstient de manger, de boire, de relations conjugales, du lever du soleil au coucher du soleil. Ça, c'est la forme du jeûne. Mais vous voyez que la forme du jeûne, elle n'est pas directement spirituelle. Le lien avec Allah n'apparaît pas directement. Le sens même de ibadah, adoration, n'apparaît pas directement. Il s'agit d'une discipline corporelle, à la base. Simplement, maîtriser tel appétit, tel désir. Bon. Et alors, donc, c'est ce qui fait que il est très important d'apprendre à approfondir le sens du jeûne, d'en saisir l'objectif spirituel pour pouvoir l'approfondir. Le jeûne, donc, comme je l'ai dit, à la base, ça n'est qu'une abstinence. Le grand risque, c'est que ça en reste là. Et c'est la raison pour laquelle ça a éduqué pendant de nombreuses années les croyants et les croyantes autour de lui à approfondir la spiritualité du jeûne, à les orienter vers l'objectif spirituel du jeûne. Par exemple, il a dit dans un hadith qui nous est rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, il a dit « Laysa siyamu min al-akli wa al-shurbi. إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جاهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم. Donc d'après le compagnon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne ne consiste pas à se priver de nourriture et de boisson. Le jeûne consiste à abandonner paroles frivoles et paroles indécentes. Et si quelqu'un t'insulte ou se comporte mal envers toi, dis-lui, je jeûne, je jeûne. Dans ce hadith, il commence par dire, le jeûne ne consiste pas à se priver de nourriture et de boisson. Alors, c'est étonnant comme formule, puisque précisément, dans les faits, dans la pratique, pour jeûner, il faut se priver de nourriture et de boisson. Si on mange, si on boit, évidemment, le jeûne est rompu. Mais s'il utilise donc une négation aussi totale, aussi complète, c'est pour bousculer justement, pour attirer l'attention, pour dire attention, le fait de ne pas manger et de ne pas boire,
ça n'est que l'écorce des choses. C'est un cadre, en réalité, c'est un cadre dans lequel va pouvoir se développer quelque chose de profond, quelque chose de spirituel. Et donc, il dit, le jeûne ne consiste pas à se priver de boissons et de nourriture, mais à abandonner paroles frivoles et paroles indécentes. Ici, en fait, il va opposer deux choses pour mieux mettre en lumière la deuxième. Il va opposer le fait de se priver de boissons et de nourriture et le fait d'abandonner les paroles frivoles et les paroles indécentes. Encore une fois, bien sûr, pas pour dire qu'on n'a pas besoin de se priver de nourriture et de boissons, mais enfin, vous l'avez compris, pour vraiment dire le cœur, je vais vous parler du cœur même de cette pratique. Et donc ici, il nous parle de la maîtrise de la parole. Et on a déjà un premier élément de réponse qui est que la maîtrise de l'alimentation et du désir conjugal, il doit déjà, dans un premier temps, se compléter par la maîtrise de la parole. Et donc, il donne deux types de paroles, al-lagh wa al-rafath, la parole frivole et la parole indécente. La parole grossière, la parole qui manque de noblesse. D'abord, la parole frivole. La parole frivole, c'est toute parole qui n'a pas d'utilité. Vous connaissez certainement le hadith dans lequel le prophète dit « Man lara fala jumu'ata lah » Celui qui parle, c'est-à-dire quand l'imam est monté sur le minbar le jour du vendredi, celui qui parle n'a pas de prière du vendredi. Sa prière, elle est annulée par le fait qu'il a parlé alors que l'imam est déjà venu, qui s'est installé sur le minbar. Donc, Lara, qui a donné le mot Lara, c'est toute parole inutile, superflue. Et c'est terrible donc, d'entendre que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que quand on jeûne, on doit être capable d'abandonner toute parole frivole. Parce que autant la parole indécente peut être relativement maîtrisée quand on s'éduque, quand on fait l'effort de ne pas avoir de propos déplacés, de propos injurieux. Mais la parole frivole, c'est beaucoup plus large. Comme je l'ai dit, la parole frivole, c'est toute parole inutile, c'est-à-dire parler pour parler, parler pour passer le temps, par exemple. Mais c'est aussi parler de ce qui ne nous concerne pas. Parler, par exemple, d'un sujet sur lequel on n'a aucune compétence. C'est déjà de la parole frivole, parce qu'on donne son avis, on affirme des choses sans contenu, sans légitimité, etc. Donc, vous voyez, la parole frivole, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Et donc, pour faire simple, en principe, celui qui jeûne devrait parler peu. Celui qui jeûne devrait parler seulement quand cela s'impose par la nécessité, par l'utilité, etc. La maîtrise donc des besoins corporels, déjà, elle doit se compléter par la maîtrise de la langue. Vous verrez la maîtrise de la langue, parce que ce qui sort de notre bouche, les paroles qui sortent de notre bouche sont en fait le miroir de ce qui se passe dans notre âme. On exprime, c'est-à-dire on fait sortir finalement nos pensées, on va verbaliser nos pensées. Et donc, la parole, si elle est maîtrisée, si elle est utilisée à bon escient, ça veut dire qu'il y a de l'ordre qui a été mis à l'intérieur. On ne peut pas maîtriser sa parole tant qu'on n'a pas mis de l'ordre à l'intérieur. Et ça va dans les deux sens.
quand on met de l'ordre à l'intérieur, ça rejaillit sur notre façon de parler. Et inversement, quand on maîtrise sa façon de parler, ça facilite le fait de mettre de l'ordre à l'intérieur. Il y a un cercle vertueux entre l'ordre dans notre âme, l'apaisement intérieur, l'harmonie intérieure et la façon de parler. L'un vient nourrir l'autre. Et ce cercle vertueux, eh bien, c'est celui de la purification de l'âme. C'est celui du chemin de rapprochement, du chemin de proximité envers notre Créateur. Alors, vous voyez simplement à travers ce qu'on vient de voir maintenant que la spiritualité du jeûne, elle n'est pas si simple que cela à découvrir. Et on va maintenant voir d'autres hadiths qui vont nous aider progressivement à rajouter des dimensions dans notre façon de jeûner, jusqu'à ensuite après découvrir ce que l'imam al-Ghazali appelle « Asrar al-Sawm », lui et d'autres savants bien sûr, c'est-à-dire les secrets spirituels du jeûne. Dans un autre hadith qui nous est toujours rapporté par Abu Huraira, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Rubba sa'imin hadhuhu min siyamihi al-jou'a wa rubba qa'imin hadhuhu min qiyamihi al-sahar. » Combien de ceux qui jeûnent n'en retirent que la faim? Et combien de ceux qui veillent, c'est-à-dire ceux qui veillent la nuit et qui essaient de passer du temps en adoration, n'en retire que l'absence de sommeil? Combien de ceux qui jeûnent n'en retirent que la faim? Ici, c'est une autre façon, encore une fois, de dire que le cadre juridique du jeûne, ce que nous enseigne le fiqh sur le jeûne, les conditions de validité du jeûne, ça n'est qu'un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée. Et si on a étudié les conditions de validité du jeûne, tout ce qui va permettre que le jeûne soit valide, mais aussi étudier tout ce qui va invalider le jeûne, etc., donc tout ce que le FIRC enseigne sur le jeûne, on n'a fait que prendre connaissance du cadre. Il n'y a encore rien du tout à l'intérieur. Ça n'est qu'un cadre, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc ici, le prophète nous dit, si on s'en tient donc à ça, alors on peut retirer du jeûne que la faim. La spiritualité du jeûne, c'est la spiritualité de la, on pourrait dire, des bienfaits de la privation. Il y a dans la privation des bienfaits. Et pas simplement dans le fait de recevoir. Bien sûr que quand on reçoit, si ce sont de belles choses, ce sont des bienfaits. Mais la privation est quelque chose dont nous avons besoin aussi. L'être humain ne peut pas faire que recevoir ou disons que posséder. Il doit aussi se déposséder de certaines choses. Il ne peut pas être, si vous voulez, dans l'accumulation toujours. Celui qui possède tout et qui est le riche absolu, c'est Allah. Parmi les noms d'Allah, il y a Al-Ghani, c'est-à-dire l'infiniment riche. Le Coran répète de très nombreuses fois « Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard » À Dieu appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. Allah est le possesseur absolu. Mais l'être humain ne peut pas être un possesseur absolu, il ne peut pas, donc, comme je le disais, toujours accumuler. Il doit aussi accepter de se déposséder. Et la possession, l'accumulation ne fait pas du bien à l'être humain quand il n'y a que cela, disons. On doit avoir un équilibre entre recevoir et abandonner, posséder et se déposséder.
Il y a donc nécessité d'intégrer dans notre vie spirituelle la dimension de la privation, se priver. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce si important de se priver? Pourquoi on ne pourrait pas être simplement dans la réception et être reconnaissant envers tout ce qu'on reçoit? Parce que l'être humain n'est pas parfait. Et l'être humain n'étant pas parfait, il n'est pas capable d'être seulement dans la réception et seulement dans le fait donc d'accumuler. Lorsqu'on comprend qu'il y a dans la dépossession un bien, on comprend que, que c'est général dans la création. Par exemple, l'élagage d'un arbre. Qu'est-ce que l'élagage d'un arbre? Quand est-ce qu'on va élaguer un arbre? Élaguer un arbre, c'est couper un certain nombre de branches pour que l'arbre puisse concentrer ses forces ensuite et repartir vers une nouvelle croissance. Donc, vous avez tous déjà vu hein, des arbres qui ont été élagués. Donc, on a coupé un certain nombre de branches, pas pour lui faire du tort, évidemment, bien au contraire. On le prive d'une partie de ses branches pour lui donner un nouveau dynamisme, une nouvelle vitalité. Et vous voyez quelques mois après que cet arbre qui a été amputé d'un certain nombre de branches, eh bien finalement, à nouveau, il est plein de vitalité. On pourrait dire que c'est ça, le jeûne, en fait. C'est une forme d'élagage. On a besoin de perdre un certain nombre de choses. Et ça nous amène à réfléchir sur l'importance de la générosité durant le mois de Ramadan. Vous savez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était plus généreux durant le mois de Ramadan que durant tout le reste de l'année. Il était, alhamdoulilah, généreux toujours, mais réellement, durant le mois de Ramadan, disaient les compagnons qui témoignent, il se surpassait en générosité. Et il invitait donc les autres à faire preuve de générosité durant le mois de Ramadan. Vous voyez qu'encore une fois, le fait qu'on soit invité à la générosité encore plus que durant le reste de l'année, ça vient nous faire prendre conscience d'une dimension spirituelle liée au fait de se déposséder, donner aux autres de ce que l'on possède pour sortir de l'accumulation. Et puis, il y a une autre dimension qui fait partie des recommandations aussi durant le jeûne du mois de Ramadan, et en particulier qui doit se concrétiser le jour du Eid, c'est le pardon. Il est demandé aux croyants de pardonner et éventuellement, le jour du Eid, de renouer avec des personnes avec qui ils étaient en froid, etc. Il y a des hadiths qui nous enseignent que durant la nuit de Laylatul Qadr, les anges donc descendent sur terre, mais ne viennent pas vers Al-Mushahin. C'est celui qui est en conflit avec les autres, celui qui facilement fait des conflits et ne cherche pas à renouer, ne cherche pas à pardonner. Le pardon, qu'est-ce que c'est? Le pardon, c'est se défaire de la rancune. C'est abandonner le ressentiment. On a eu des difficultés avec une personne, par exemple, il y a eu un conflit avec telle ou telle personne. La rancune, ça va être de garder cela indéfiniment. Le pardon, à l'inverse, c'est perdre cela. Alors, vous voyez que ce qui est demandé comme générosité durant le mois de Ramadan et ce qui est demandé comme pardon durant le mois de Ramadan, ça va dans le même sens. C'est dans le fait de ne pas garder, de ne pas accumuler. Et si vous réfléchissez un peu sur votre propre cas, si vous faites votre examen de conscience, vous verrez que
aussi bien en termes matériels qu'en termes relationnels, on accumule trop. On accumule des biens matériels et on accumule aussi des déceptions relationnelles. Alors, premier point, on accumule des choses matérielles. Alors, peut-être nous encore plus que les anciens, parce que le niveau de vie permet cette accumulation. Même si on n'est pas considéré comme riche, il y a chez nous beaucoup de choses. Nous avons tous chez nous davantage de vêtements que ceux dont nous avons besoin, davantage de vaisselle que ceux dont nous avons besoin, davantage d'appareils électroniques que ceux dont nous avons besoin, etc., etc. Et une pratique simple qui peut être faite, c'est de se dire, depuis combien de temps je n'ai pas mis ce vêtement? Depuis combien de temps je n'ai pas utilisé cet appareil? Et si on n'a pas mis un vêtement depuis plus d'un an, on n'a pas utilisé tel appareil depuis plus d'un an, peut-être qu'il faut réfléchir. Peut-être que ça veut dire qu'on n'en a pas réellement besoin. Et donc, on peut le donner si on n'en a pas réellement besoin. Pourquoi accumuler à la maison des choses dont on n'a pas besoin? C'est très souvent lors des déménagements qu'on prend conscience de tout ce qu'on a accumulé. On se dit, mais ça dormait dans des cartons depuis des années et c'était chez moi. Et pour rien, finalement. C'est seulement le jour du déménagement où on se rend compte qu'il y a encore tout ça dans les placards, dans les cartons, dans les penderies, dans les tiroirs, etc. Cette accumulation, elle est nocive pour notre âme. Et donc, non seulement c'est un acte de bienfaisance qu'on fait vis-à-vis des autres quand on donne, mais c'est aussi un acte d'allègement pour soi. On s'allège quand on donne des choses dont on n'a pas besoin et on espère et on a bon espoir que ce soit aussi une source de récompense auprès d'Allah Ta'ala. Même chose pour le relationnel. On accumule trop. Quelqu'un vous a fait une remarque, quelqu'un vous a fait une critique. Au lieu de passer à autre chose, on va rester dessus pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Parfois, on peut rester en froid pendant des années. Non, il faut abandonner cela, se défaire. Et maintenant, le troisième mode d'accumulation, c'est l'accumulation corporelle. On jeûne aussi pour se défaire de l'accumulation corporelle. Qu'est-ce qu'on accumule dans notre corps avec la nourriture? On accumule de la graisse, bien sûr, mais pas seulement. Bon, la graisse, c'est visible, on voit quand on est en surpoids, mais on accumule des toxines aussi. Et ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, ça ne se voit pas forcément sur une balance sur laquelle on va monter. On peut très bien être fin, être maigre et avoir un certain nombre de toxines en nous. Surtout à notre époque, nous qui mangeons des aliments qui souvent sont pollués par des pesticides, par des produits chimiques divers, etc., par des perturbateurs endocriniens, et j'en passe. Et donc, quand on va jeûner, notre corps va se défaire de cette graisse superflue, mais aussi des produits toxiques qui s'accumulent dans notre corps. Quand un produit n'a rien à faire dans notre alimentation, prenons les pesticides par exemple. Les pesticides n'ont rien à faire normalement dans notre alimentation, mais c'est le monde moderne qui produit tout cela. Les modes actuels d'agriculture, etc., la course au rendement, la course au profit fait que on en arrive là. Le gigantisme des cultures, les monocultures, le fait de cultiver
une seule plante sur des surfaces immenses, par exemple que du blé sur des surfaces immenses, favorise les maladies. Ce qui n'est pas le cas quand il y a une variété très diverse, ce qui était le cas avant l'époque moderne. Avant l'époque moderne, il n'y a jamais eu des milliers d'hectares consacrés au blé ou consacrés au maïs. C'était toujours des petites parcelles et donc il y avait une variété présente, variété de plantes. Et c'est ce principe de variété qui a été repris par ce qu'on appelle la permaculture. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout de comprendre que quand une substance ne fait pas partie de l'alimentation normale de l'être humain, le corps ne sait pas la gérer. Donc, il va l'accumuler. Il ne sait pas la traiter, il ne sait pas la digérer, et donc elle va rester dans nos tissus, elle va empoisonner nos tissus. Et le corps ne peut pas s'en débarrasser parce que il n'a pas assez d'énergie pour cela. L'énergie du corps, elle n'est pas infinie. Elle nous est donnée pour, par exemple, pour digérer les aliments. La digestion des aliments prend beaucoup de l'énergie du corps. C'est pour cela que quand on fait un repas un peu abondant, on va avoir tendance à somnoler après. Beaucoup de personnes somnolent une demi-heure ou une heure après le repas du midi, parce que leur corps va utiliser toute l'énergie vitale pour cette digestion. Donc, en temps normal, comme le corps est sollicité de nombreuses fois par jour pour digérer, il ne peut pas en même temps aller nettoyer les tissus qui sont remplis de toxines. Mais quand on jeûne durant toute la journée, il n'y a pas de travail de digestion. Donc là, toute l'énergie vitale est disponible pour la purification. Et c'est ça qui fait le grand bienfait physique du corps. Le corps va pouvoir éliminer un certain nombre de déchets, un certain nombre de toxines, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas de travail de digestion à faire durant la journée. Alors, à condition, bien sûr, que le soir, on mange de manière raisonnable. Si on mange n'importe comment le soir, on n'obtient pas ces bienfaits dont a parlé le prophète en disant Somo tasihhu, jeûnez, vous resterez en bonne santé ou vous retrouverez votre santé. D'ailleurs, c'est le principe du jeûne hydrique, du jeûne à l'eau, qui est utilisé dans certaines cliniques. Aujourd'hui, en France, mais c'est plutôt rare encore en France, mais beaucoup en Allemagne, en Espagne et dans d'autres pays, où on accueille des malades, qui souvent ont des maladies assez graves, et on les fait jeûner. Ils sont sous surveillance médicale, bien sûr, mais ils vont jeûner. Et par le jeûne, le corps va pouvoir lutter contre la maladie, qu'ils ont. Donc vous voyez, dans la privation, il y a beaucoup de bienfaits. Dans le fait de se défaire, il y a beaucoup de bienfaits, que ce soit en termes de santé physique, quand on se prive d'alimentation, que ce soit en termes matériels, avec les biens que l'on possède, quand on exerce la générosité, ou que ce soit en termes relationnels aussi, ne pas accumuler les déceptions, les rancunes, les ressentiments, etc. Et donc, si vous ajoutez tous ces éléments que je viens de vous donner, vous voyez que la spiritualité du jeûne, elle est très homogène. Pour beaucoup de personnes, il n'y a pas de lien précis entre le fait de ne pas manger, ne pas boire, le fait de pardonner aux autres, le fait d'être généreux. Ce sont des bonnes actions, mais indépendantes les unes des autres, sans lien apparent. Mais il y a bien un lien, il y a un lien très profond qui est donc ce que j'ai appelé les bienfaits de la privation.
très souvent dans nos vies, on ne sait pas voir les bienfaits de l'épreuve, parce que l'épreuve nous prive de quelque chose. Et évidemment, si on n'a jamais appris les bienfaits de la privation, on ne peut pas apprécier l'épreuve dans sa dimension positive. L'épreuve a une dimension de difficulté, bien sûr, quand on est, par exemple, diminué physiquement. Quelqu'un qui perd l'usage de ses mains, ou l'usage de ses pieds, ou l'usage de ses yeux, évidemment, il est dans une difficulté, mais c'est pour lui ouvrir une nouvelle facilité. Mais pour cela, il faut qu'il comprenne les bienfaits de la privation. Quand on est en pleine santé, c'est un bienfait, d'accord, mais la pleine santé nous facilite la dispersion, facilite le fait qu'on fasse plein de choses, qu'on aille dans tous les sens, qu'on se disperse dans mille et un projets. Mais quand on est malade, quand on est diminué, quand on a une santé fragile, par exemple, on ne peut pas se perdre dans mille et un projets. On n'a pas assez d'énergie et de vitalité. On est diminué. Et quel est le bienfait? C'est que si on le vit de manière positive, si on comprend le sens spirituel, on va pouvoir se recentrer. Le malade, il a une facilité à se recentrer pour la simple et bonne raison que beaucoup de choses ne lui sont plus possibles. Donc si, quand on est privé de tel ou tel aspect de la santé, on utilise cette situation pour se recentrer sur l'essentiel, pour se séparer de tas de choses superflues que l'on faisait dans notre vie, des tas de sorties superflues, des tas d'activités superflues, des tas de hobbies superflues. Alors la maladie, cette épreuve, aura été un grand bien et la personne aura compris les bienfaits de la privation. Elle aura compris que celui qui prive, c'est Allah. Parmi les noms d'Allah, il y a Al-Mani'a, celui qui prive. Mais il y a aussi Al-Mu'ati, celui qui donne. Il y a souvent des noms divins qui sont des opposés. Al-Mu'ati, Al-Mani'a, celui qui donne, celui qui prive. Al-Muhyi, Al-Mumit, celui qui donne la vie, celui qui fait mourir. Mais en fait, ce sont des opposés seulement pour nous, parce qu'on ne voit pas bien les choses, parce qu'on ne comprend pas les choses dans leur réalité. Pour nous, celui qui donne, enfin, l'attribut divin, celui qui donne, et l'attribut divin, celui qui prive, sont deux réalités opposées. Mais en fait, non, c'est toujours Allah. Ça n'est pas opposé. Quand Allah prive, en réalité, il donne. C'est une façon qu'il a de donner. Quand il nous prive de nos capacités de nous disperser, c'est un don. C'est un don qu'il nous fait. Quand il nous prive d'une chose que l'on aimait, c'est un don qu'il nous fait. Il nous pousse à apprendre à l'aimer lui davantage. Alors ça, c'est vraiment pour les aspects très généraux de la spiritualité du jeûne. Comprendre les bienfaits de la privation. Comprendre les bienfaits qu'il y a à se défaire d'un certain nombre de choses qu'on accumule en nous, ou qu'on accumule dans notre maison, ou qu'on accumule dans notre âme. Se défaire, c'est extrêmement important. Maintenant, il y a un autre aspect aussi, tout aussi important, qui est de recevoir. Le jeûne fait de la place, et cette place, il va falloir la remplir. Et avec quoi est-ce qu'on va la remplir? Avec la meilleure chose qui puisse remplir un vide qu'on crée volontairement en nous, et c'est la parole d'Allah, c'est la présence d'Allah au sens général. La parole d'Allah, donc, ici, le Coran.
Il y a un lien très fort, comme vous le savez, entre le jeûne et le Coran. Ce lien, c'est une complémentarité. Le jeûne fait de la place, il libère de l'espace intérieur. Mais pour y mettre quoi? Pour y mettre la présence d'Allah Ta'ala, notamment à travers le Coran. Ce qui veut dire que durant le mois de Ramadan, on doit se nourrir du Coran. On se prive de nourriture et de boissons matérielles pour apprendre davantage à se nourrir de nourriture spirituelle et notamment donc du Coran. Alors, le Coran, évidemment, c'est se nourrir du Coran, c'est tout un cheminement. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on sait se nourrir du Coran. Il faut apprendre à développer l'intimité avec la parole d'Allah Ta'ala. C'est le chemin de toute une vie. Au début, surtout lorsqu'on est enfant, il s'agit simplement de mémorisation. On va apprendre du Coran, on va mémoriser du Coran. Mais en grandissant, et surtout à l'âge adulte, il s'agit de s'en nourrir, pas simplement de l'avoir appris par cœur. Se nourrir, ça veut dire non seulement, bien sûr, mettre en pratique ses prescriptions, mais remplir de sa lumière notre cœur. Parce que les prescriptions, ça n'est qu'une partie du Coran. Il y a beaucoup d'aspects du Coran qui ne sont pas des prescriptions. N'y a pas toujours des demandes claires. Parfois, il y a des choses qui nous sont demandées de faire ceci ou de ne pas faire cela. Par exemple, dans la sourate Al-Hujurat, dans la sourate 49, il nous est demandé à de nombreuses reprises de ne pas être médisant, de ne pas donner des surnoms dépréciatifs aux autres, etc., etc. De ne pas s'espionner les uns les autres. Là, ce sont des prescriptions qu'il faut mettre en pratique. Mais bien souvent, ce ne sont pas des prescriptions. Par exemple, la description de la création des cieux et de la terre, la description de la création de l'homme, la description de l'au-delà, le paradis, l'enfer, le jugement, tout ça, ce ne sont pas des choses à mettre en pratique au sens d'une prescription. Ce ne sont pas des actes qui sont attendus de nous. Ce qui est attendu de nous ici, c'est d'en tirer une nourriture. Quand il nous est parlé du paradis et de l'enfer, il faut en tirer un élan spirituel. Les descriptions de l'enfer sont là pour nourrir notre rejet des mauvaises actions, pour que on soit de plus en plus dégoûté par les mauvaises actions qu'elles nous repousse de plus en plus. On nourrit la conscience de la laideur des mauvaises actions. Et à l'inverse, les descriptions du paradis sont là pour nourrir en nous l'amour du bien, l'amour de ce qui nous rapproche d'Allah. Se nourrir donc de ces passages-là, ça veut dire nourrir de bons sentiments, éduquer nos sentiments, éduquer notre imagination. Les sentiments, comme l'imagination, ont besoin d'une éducation. Ce n'est pas quelque chose qui est stable et donné une fois pour toutes. Aimer le bien et détester le mal, ce n'est pas quelque chose qui est acquis sans effort ou sans éducation. Bien sûr, il y a certaines choses qui sont inné en nous, mais ça n'est pas pour autant que on aime tout ce qui nous rapproche de Dieu et qu'on déteste tout ce qui nous éloigne. On peut très bien être croyant, avoir une foi et quand même aimer ou attacher certaines choses qui sont mauvaises. Ce qui veut donc dire que le sentiment a besoin d'être éduqué ou rééduqué. Et donc la lecture du Coran, quand on lit ces passages-là, quand on les lit lentement et qu'on s'imprègne de ce qui est dit, ça va venir donc nourrir tout cela, réorienter nos sentiments, réorienter notre imagination. L'imagination, c'est tout aussi important que le sentiment. L'imagination, c'est la capacité de se représenter les choses.
Et si on se représente les choses clairement, alors notre volonté se met en route. Si vous vous représentez de manière très vive que telle chose va faciliter votre vie, eh bien vous allez avoir une facilité à la rechercher. Si vous vous représentez de manière très claire que telle chose va détruire votre vie, alors vous aurez une facilité à l'abandonner. Mais si vous ne vous représentez pas clairement cela, alors vous n'aurez pas de volonté. Celui qui se représente clairement que s'il ne se forme pas, s'il ne fait pas des études, sa situation professionnelle va être catastrophique quand il va arriver sur le marché du travail. Celui qui a une conscience claire de cela va être capable de faire les sacrifices qu'il faut pour étudier ou pour se former, etc. Mais celui qui voit ça comme très loin, pratiquement irréel, il a 18, 19 ans, et pour lui, bon, le travail, le marché du travail, c'est une formule, mais ça ne représente rien de très concret. Lui, évidemment, n'aura pas la force, n'aura pas la volonté suffisante pour faire des sacrifices. Il va préférer jouer, tout simplement. Donc, il ne faut pas négliger l'imagination, c'est-à-dire la capacité de se représenter les conséquences de nos actes, les conséquences de nos choix. Il n'y a pas de volonté forte sans imagination claire. Ça n'existe pas. C'est tout simplement quelque chose qui n'existe pas. Réfléchissez à cette question, parce que c'est souvent des thèmes nouveaux pour la plupart d'entre vous, mais réfléchissez en tout cas à cette question et vous verrez qu'il n'y a pas de volonté forte sans représentation claire, donc sans imagination claire. L'imagination, hein, tout simplement, c'est la capacité de se représenter autre chose que ce qui est à l'instant T. Sans imagination, on est prisonnier de l'immédiat. Comment voulez-vous sortir de l'immédiat sans imagination? C'est strictement impossible. Vous êtes dans une situation, elle est telle qu'elle est, avec ses difficultés et ses facilités. Si vous n'avez pas cette capacité de vous projeter par l'imagination, vous êtes enfermé dans l'immédiat. Celui qui est en difficulté, disons, en difficulté professionnelle, matérielle, il a très peu d'argent. Bon, si il est capable de se projeter en se disant, dans 5 ans, quand j'aurai fini mes études, j'aurai une situation beaucoup plus facile. S'il est capable plutôt donc, de se représenter ça, ça va lui permettre de patienter dans cette situation. Mais si pour lui, dans 5 ans, ce n'est pas très réel, c'est quasiment non existant pour lui. Voilà, comme vous pouvez le comprendre, il n'aura pas cette force, cette volonté. Alors, quand on lit donc dans le Coran des descriptions, c'est pour que nous nous imaginions les choses, qu'on se les représente clairement. L'imam al-Muhasibi, qui est donc un des grands porte-parole de la spiritualité en islam, il est mort au milieu du 9e siècle, donc un peu plus de 2 siècles après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc il fait partie des savants des premiers siècles, et ses ouvrages sont parmi les plus anciens qui nous sont parvenus en islam, et donc ils sont très précieux. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Kitab al-Tawahum, ça veut dire le livre de l'imagination, et en fait c'est un livre qui est consacré à la vie après la mort, tout ce qui se passe après la mort. Et il commence chaque paragraphe en disant « Tawaham, imagine-toi. Imagine-toi quand ton âme va sortir de ton corps, il se passera ceci, cela. Imagine-toi quand on mettra ton corps dans la terre et que les gens te recouvriront de terre, il se passera ceci, cela. Imagine-toi quand les 2 anges viendront t'interroger, etc. »
Il a appelé son livre Kitab al-Tawahum, le livre de l'imagination, parce que ce qu'il veut, c'est que son lecteur se représente de manière la plus claire possible ce qui l'attend pour qu'il y ait un déclic, pour déclencher ce déclic à l'intérieur. Parce qu'il savait, lui, en tant que grand maître spirituel, que l'imagination a besoin d'être éduquée. Et c'est ce que fait le Coran par tous ses exemples, par toutes ces descriptions, disons, dans le Coran. Donc la lecture du Coran, lente, réfléchie, en essayant d'assimiler, c'est une nourriture spirituelle qui va venir en nous, qui va nous imprégner de l'intérieur et nous aider à ce que le mois de Ramadan soit vraiment un mois de changement, un mois de transformation intérieure. Alors bien sûr, la relation au Coran, elle est multiple. Là, moi, je vous parle de l'imprégnation du sens et de la signification. Il y a d'autres formes de lecture. Il y a la lecture pour la baraka aussi, pour les hasanat. Mais là, c'est autre chose. Quand on lit une sourate, il y a des bienfaits, il y a des mérites, il y a des hasanat pour chaque lettre même qui est lue. Mais ce mérite n'est pas quelque chose qui vous change ou qui vous transforme. Hein. C'est simplement que vous accumulez des mérites. Et alhamdoulillah, c'est évidemment quelque chose qui a son utilité dans la vie spirituelle sur Terre et qui aura son utilité dans l'au-delà, parce que il faudra que dans l'au-delà, nos bonnes actions l'emportent sur nos mauvaises actions, que nos hasanat l'emportent, inshallah ta'ala, sur nos sayyiat. Mais quand on lit une sourate pour profiter de ses vertus, par exemple des vertus de protection. Le début de la sourate Al-Kahf protège de la tentation du Dajjal, par exemple. La sourate Al-Mulk est une protection contre le châtiment de la tombe, etc. Donc, il y a beaucoup de vertus comme ça. Mais ça ne change pas une personne. Ça ne change pas les maladies de l'âme. Ça ne transforme pas l'âme. Celui qui veut une transformation de l'âme doit faire un second type de lecture. La lecture pour les bienfaits, la baraka, c'est ce qu'on appelle tilawat at-tabarruk, la psalmodie de bénédiction. Et elle peut être rapide. Vous pouvez lire, par exemple, un trentième chaque jour du mois de Ramadan pour avoir terminé, par exemple, tout le Coran à la fin du mois et accumuler, alhamdoulillah, tous ses mérites. Mais ce n'est pas vrai que vous allez, le même jour, lire un trentième du Coran, et c'est beaucoup un trentième, et le méditer, l'approfondir, l'assimiler. Ça n'est pas vrai. C'est impossible. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, dit Allah au prophète Mohammed, nous allons descendre sur toi une parole lourde. Un verset, un seul verset, quand on le médite, quand on le prend réellement au sérieux, c'est extrêmement fort, extrêmement riche. Donc, ce n'est pas vrai que on va réellement, en lisant un trentième du Coran tous les jours, l'approfondir. Vous voyez donc ces deux lectures qui peuvent être parallèles, hein, et c'est ce que conseillent les chouyours souvent aussi. Ils disent, ayez deux lectures en parallèle. Une lecture de tabarruk, qui elle peut être longue, si vous lisez le Coran avec fluidité, vous pouvez lire de longues sourates d'une seule traite. Mais en parallèle, il faut aussi une lecture lente, à petite dose, réellement d'approfondissement. Il y a des sahaba et des tabi'in qui pouvaient passer des mois et des mois sur une seule petite sourate, une sourate courte.
de quelques versets. Parce qu'ils avaient besoin de ce temps d'assimilation, de ce temps d'approfondissement. Le prophète disait dans le hadith qui, à mon sens, est vraiment essentiel. « Man qara'a al-Qur'an faqad istadraja an-nubuwata bayna janbayhi » Celui qui lit le Coran assimile ou fait entrer la prophétie dans sa poitrine. « Ghayra annahu la yuha ilayhi » À la différence qu'il n'est pas de ceux qui reçoivent la révélation. Mais c'est la seule différence, c'est-à-dire que quand on lit le Coran, on fait rentrer la lumière de la prophétie dans notre poitrine. Ça veut dire qu'on peut vivre quelque chose qui est de l'ordre de ce que vivaient les prophètes. Et bien sûr, le prophète Mohammed ajoute, sauf qu'on ne fait pas partie de ceux qui reçoivent la révélation. Au cas où certains pourraient mal le comprendre. Mais en tout cas, il utilise une formule très forte. Faire entrer dans sa poitrine la lumière de la prophétie. C'est ça vraiment lire le Coran. Et pour ça, il faut que ce soit dans l'approfondissement. Alors chacun peut évidemment avoir plus ou moins... un passage qui va être plus ou moins court, plus ou moins long. Ça peut être un seul verset, ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être quatre. Ça dépend évidemment de chacun. Mais ça ne peut pas être la sourate Al-Baqara entière, évidemment. Quand on développe cette intimité avec la parole d'Allah Ta'ala, très souvent, en fait, on va voir que quelques passages du Coran sont déjà une nourriture pour plusieurs mois, plusieurs années. L'imam al-Ghazali, rahimahullah, il cite dans son livre, traduit sous le titre « Lire et comprendre le Coran ». Donc c'est un livre qu'il a consacré à expliquer comment on peut approfondir la relation à la parole d'Allah Ta'ala. Il cite l'exemple de Ikrima ibn Abi Jahl. Ikrima, c'est le fils de Abu Jahl. Abu Jahl, comme vous le savez, grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son fils Ikrima, pendant longtemps, a été ennemi du prophète. Pendant longtemps, il était donc dans cette hostilité à l'islam, et il était évidemment dans la proximité avec son père. Mais alhamdoulilah, Allah Ta'ala a fini par guider Ikrima qui se convertit à l'islam. Et quand un jour on lui a tendu quelques versets du Coran écrits sur un morceau de parchemin, il a à peine osé le prendre dans ses mains, et quand il l'a pris dans ses mains, il tremblait en disant « Hada kalam Rabbi, hada kalam Rabbi » en disant « C'est la parole de mon Seigneur, c'est la parole de mon Seigneur. » Il tremblait à l'idée de tenir dans ses mains la parole d'Allah, tellement il avait conscience de la grandeur de la parole d'Allah Ta'ala. Le Ghazali cite aussi un autre exemple qui peut nous faire réfléchir sur notre lien au Coran, qui est donc l'exemple de cette personne qui vient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui dit « Ya Rasulallah, allimni al-Qur'an » ou « allimni min al-Qur'an » et au prophète « Enseigne-moi du Coran, enseigne-moi quelque chose du Coran. » Et le prophète lui commence par réciter la sourate Al-Zalzala, qui, comme vous le savez, donc décrit la fin des temps, les tremblements de terre qui vont saisir la terre. Et ça se termine par cette mise en garde, on pourrait dire. Celui qui accomplit le bien du poids d'un atome le verra, celui qui accomplit le mal du poids d'un atome le verra. Et au moment donc, où le prophète arrive à ces versets, qui cite ces versets, il voulait continuer avec d'autres petites sourates, puisque Al-Zalzala
De mémoire, c'est la 99, en tout cas, donc c'est dans le dernier 30e, ça fait partie des petites sourates, le prophète voulait continuer, et l'homme dit, stop, au prophète, stop, c'est fini pour moi. Et il s'en va, et le prophète regarde des compagnons, et il leur dit, Insarafa wa huwa faqih. Cet homme vient de partir et maintenant il est savant. Pourquoi savant? Parce que quand cet homme a compris ces deux versets, celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra, il s'est dit, avec ça, rien qu'avec ça, mettre en pratique cela, vraiment prendre au sérieux ces deux versets, c'est un enseignement pour toute la vie. Et il savait qu'il lui faudrait déjà de nombreux mois, de nombreuses années pour méditer cela. Parce qu'il faut réaliser que il n'y a pas de petites bonnes actions qui soient trop petites pour mériter d'être mises d'être accomplies et donc qui serait légitime d'abandonner. Non. Si on peut faire un bien même tout petit, il faut faire ce bien. Parce que le bien du poids d'un atome se verra. Et donc, il ne faut pas se dire, bon, pourquoi je vais faire ça? C'est tellement petit. Pourquoi je vais donner une date à cette personne? Qu'est-ce que c'est qu'une date? C'est pas grand-chose. Si j'avais vraiment de quoi la nourrir, je le ferais. Mais là, ça ne sert à rien. Donc, je ne fais rien et je pars. Non, en fait, il n'y a pas de petites bonnes actions. Toute bonne action peut être grande selon notre intention, selon notre sincérité. Et à l'inverse, il n'y a pas de petites mauvaises actions dont on pourrait se dire, c'est vrai que c'est pas bien, mais c'est très minime. C'est quand même très minime. Alors je le fais quand même. Non, parce que celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra yawm al-qiyamah. Donc cet homme, vous voyez, a compris que ces deux versets, c'était un guide pour toute la vie. Et ils sont destinés à changer notre regard sur nos soi-disant petites bonnes actions et sur nos soi-disant petites mauvaises actions. Alors voilà, il s'agit de faire de la place quand on jeûne. On se défait d'un certain nombre de choses pour ensuite faire la place à la présence d'Allah Ta'ala. Et je conclurai, Inch'Allah, sur cet enseignement que reprend, qu'expose l'imam Al-Ghazali. Il nous dit finalement, les différents degrés de jeûne peuvent se ramener à trois. Saum al-umum, le jeûne basique, le jeûne du commun des gens, qui consiste à s'abstenir de boissons, de nourriture et de relations conjugales. Ensuite, il dit Saum al-khusus, le jeûne des croyants élus, élus par Allah, qu'Allah a favorisé pour une compréhension profonde de leur foi. Et il dit, eux, dans leur façon de jeûner, tout leur être jeûne, les yeux jeûnent, ils ne voient pas de choses que Allah n'aime pas. Les oreilles jeûnent, ils n'écoutent pas des choses qu'Allah Ta'ala n'agrée pas. Leurs pieds jeûnent, ils ne vont pas dans des endroits qui ne sont pas agréés par Allah. Al-jawarih, en arabe, c'est l'ensemble des organes d'action, tout ce qui nous permet d'agir, donc les yeux, la bouche qui permet de parler, les oreilles qui permettent d'entendre, les mains qui permettent de saisir, les pieds, etc., qui permettent de marcher. Il dit donc l'ensemble de leur jawarih jeûne aussi. Ça, c'est le jeûne des croyants élus, choisis, favorisés par Allah. Et il dit, il y a encore une troisième catégorie de jeûneurs. Saum khusus al-khusus. Le jeûne de l'élite des élus. Et quel est ce jeûne de l'élite des élus? C'est
outre tout ce qu'on vient de dire, en plus de ce que font les autres, ils ont le jeûne de la présence d'Allah Ta'ala. Ils font l'effort de rester dans la présence d'Allah Ta'ala. Ils privent leur cœur des pensées distraites. Ils ne laissent pas leurs pensées aller dans tous les sens. Ils concentrent leurs pensées, ils orientent donc tout cela vers Allah Ta'ala. Alors bien sûr, c'est un degré très élevé, c'est quelque chose qui est relativement rare. Mais même si on n'y arrive pas entièrement, parce que ça demande une maîtrise de soi qui est très rare, mais enfin même si on n'y arrive pas complètement, on peut au moins travailler cela, au moins travailler la présence du cœur, diminuer les pensées inutiles. Ne pas laisser sa pensée vagabonder dans tous les sens. Et c'est la raison pour laquelle aussi le prophète recommandait l'i'tikaf, c'est-à-dire la retraite spirituelle. Dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, c'est ce qu'il faisait chaque année, et on sait que lorsqu'il a senti que c'était probablement le dernier jeûne qu'il aurait à faire, il a voulu jeûner. Il a voulu faire la retraite pendant 2 semaines. Pardon, pas 2 semaines. 2 décades. Donc, les 20 derniers jours, il les a passés en retraite. Et habituellement, c'était les 10 derniers jours. Pourquoi la retraite spirituelle à ce moment-là? Parce qu'effectivement, il voulait être dans cette situation dont nous parle Al-Ghazali, c'est-à-dire pouvoir se concentrer sur la présence divine, rester dans la présence d'Allah Ta'ala. Alors, si nous n'avons pas la possibilité d'être en retraite pendant 10 jours, évidemment, pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas forcément possible, vu au regard des obligations, au regard des nécessités de la vie, etc. Mais si on ne peut pas donc se couper du monde pendant 10 jours, peut-être on peut le faire pendant un week-end. Et si on ne peut pas le faire durant tout un week-end, peut-être on peut le faire pendant une journée. Si on ne peut pas le faire pendant une journée, peut-être on peut le faire pendant une demi-journée. Et si on a comme ça plusieurs demi-journées dans la dernière décade du mois de Ramadan, c'est déjà quelque chose de précieux. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Ça, c'est un raisonnement qui est terrible et qui tire vraiment vers le bas. Bien sûr, on ne peut pas tout faire de ce que faisait le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, on ne peut pas tout faire. Mais il faut autant que possible essayer de marcher sur ses pas, y compris en adaptant les choses à nos possibilités. N'avoir jamais de moment de retraite spirituelle, ça ne va pas pour un croyant qui est censé suivre les pas du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je reviens à cette notion de Saum Khusus al-Khusus, le jeûne de l'élite des élus, des élus parmi les élus. C'est le fait de tourner son cœur vers Allah et ne pas laisser son cœur aller vers autre chose qu'Allah. Ah, bien sûr, nous sommes des êtres humains et donc à un moment donné, la pensée divague. Eh bien, on la ramène à chaque fois. On la ramène à chaque fois. Et le fait de la ramener à chaque fois nous aide à apprendre la maîtrise intérieure, apprendre la maîtrise du cœur. Et même si on a dû ramener notre pensée 100 fois dans la matinée ou dans la journée de retraite spirituelle, c'est pas grave, on le fait 100 fois. Allah voit nos efforts, et puis quand on prend cette habitude, vient un moment où la concentration devient plus facile, la présence devient plus forte, et on entre dans ce qu'on appelle al-hudur ma'Allah.
on entre vraiment dans cette présence qui, comme le disait le prophète, détermine l'ihsan. L'ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Vous voyez donc, on est parti de du cadre rituel du jeûne, c'est-à-dire des conditions de validité du jeûne, qui sont les fondations, on pourrait dire, pour ensuite, après, construire les murs, construire les pièces et finir par le toit. Si on reprend la division donnée par l'imam al-Ghazali, on pourrait dire que Saum al-Umum, le jeûne du commun des gens, c'est les fondations, simplement. C'est-à-dire la définition même des conditions de validité du jeûne. Ne pas manger, ne pas boire, pas de relation conjugale, du lever du soleil au coucher du soleil. Saum al-Khusus, le jeûne des croyants élus, sera symbolisé par les murs et les pièces à l'intérieur. Et ces différents murs, ces différentes pièces, c'est le fait que l'ensemble de nos organes d'action doivent jeûner. Nos yeux doivent jeûner, nos oreilles doivent jeûner. La langue, on en a parlé depuis le début, elle doit jeûner aussi. Les mains, bien sûr, les pieds, etc. Et puis, le jeûne qu'on appelle Saum Khusus El Khusus, le jeûne de l'élite, des élus, eh bien, c'est le toit de la maison. C'est quelque chose qui est comme un horizon, si vous voulez, vers lequel il faut aller. Ce n'est pas en 6 mois qu'on peut goûter, ou en 1 an qu'on peut réellement goûter à ça. Mais enfin, il faut se le donner comme horizon à atteindre. Se donner comme horizon à atteindre, de pouvoir rester dans l'intimité avec Allah pendant une demi-journée, pendant un jour, pendant plusieurs jours. Si ce n'est pas possible pour vous aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est impossible pour toujours. Et si ça doit prendre 5 ans pour s'installer, alhamdoulillah, alors, mais il faut mettre un pied devant l'autre, il faut faire un pas vers cela. Et les secrets donc spirituels du jeûne s'ouvrent progressivement à ceux qui font l'effort de découvrir ces dimensions-là, inshallah ta'ala. Oui, très bien, j'ai dépassé un peu, mais on peut passer maintenant aux questions. Très bien, Barakalafik, c'était très percutant. J'ai reçu pas mal de messages hein, pour vous remercier de la qualité de l'intervention. J'ai pas envie que ça s'arrête, exceptionnel, grandiose, bref. Je vais pas tous les lire. En tout cas, l'intervention a énormément plu, donc merci beaucoup, Barakalafik. Au niveau des questions, donc j'ai reçu pas mal de questions par écrit. On va d'abord privilégier l'échange de vive voix. Donc, Oui, très bien. veulent intervenir, n'hésitez pas. Qui veut ouvrir le bal? Alaykoum Salam, bienvenue, Alaykoum on salam. t'écoute. Bon, par laquelle on fait que cher pour cette présentation, enfin, déjà, il vous faudra du temps pour comprendre et puis tirer tous les bénéfices de votre conférence, hein, comme vous dites, parce que c'était bon, le thème, c'était le jeûne, mais Alhamdoulilah, c'est allé au-delà du jeûne, donc c'était très, très, je sais pas, moi, je vais commencer par une question moi, qui est en rapport avec le jeûne. En fait, il y a un aspect que j'ai entendu une fois, c'était justement toujours sur la spiritualité, c'est que le jeûne, il nous permet de nous rapprocher des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, je n'ai pas compris profondément le sens. S'il pouvait peut-être me donner des clés pour... Oui, Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, Allah Ta'ala est indépendant de la création, n'a pas besoin de la création. On a parlé tout à l'heure de son nom Al-Ghani, le riche. On traduit souvent par le riche, mais on peut traduire aussi par l'indépendant, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin.
Et puis, il y a aussi un autre nom qui est très important, qui est As-Samad, qu'on retrouve dans la sourate Qul Huwallahu Ahad. As-Samad, c'est difficile à traduire en français. Certains ont proposé l'absolu. D'autres ont proposé l'impénétrable, parce que c'est difficile à traduire. Et justement, je parlais tout à l'heure d'Al-Ghazali, dans son petit traité sur le jeûne du mois de Ramadan, là où justement il parle des trois catégories de jeûneurs, il dit que le jeûne nous rapproche de l'attribut As-Samad, c'est-à-dire qu'il nous aide pour un temps, bien sûr, pour un temps limité, à être comme indépendant de nos besoins, indépendant de nos besoins liés à la création. Et donc, quand on est dans le jeûne, on va se séparer des besoins corporels, on va y retourner, bien sûr, au moment de rompre le jeûne, mais tant qu'on est donc dans cet état de jeûne, on est comme coupé de la création, on est comme séparé de la création. Et ça nous aide effectivement à peut-être mieux comprendre ensuite qu'est-ce que ça veut dire qu'Allah Ta'ala, il est complètement indépendant de la création. Alors, pour ceux que ça intéresse, dans son petit traité, vous trouverez cette explication avec le nom As-Samad. C'est traduit en français, je crois, sous le titre « Les secrets du jeûne » aux éditions Al-Buraq. Un petit livret de petit format au prix de 2 euros. Et donc, ils l'ont fait bilingue, arabe-français. Ils l'ont fait quasiment à prix coûtant pour qu'un maximum de personnes qui jeûnent puissent bénéficier de ces beaux enseignements. Donc, vraiment, je vous invite à acquérir ce petit livre, à l'offrir aussi autour de vous, parce que ça aide beaucoup. Non. Très bien. On va prendre quelques questions écrites. Alors, la première, c'est: le Ramadan peut-il être une école à part entière de la réforme intérieure, même sans travail spirituel profond en dehors de ce mois béni? Alors, le mois de Ramadan, oui, peut être un moment de réforme intérieure, même s'il n'y a pas eu auparavant de travail. C'est sûr que si avant on s'est préparé, c'est certain qu'on va bénéficier davantage. Maintenant, le risque, c'est que si durant le mois de Ramadan, on est vraiment dans l'effort spirituel, et qu'après le mois de Ramadan, on revient à nos habitudes anciennes, alors là, on perd tout. Le mois de Ramadan ne peut pas être à lui tout seul une école de réforme définitive. Ce n'est pas définitif. C'est la raison pour laquelle aussi il nous a été recommandé, à chaque fois que c'est possible, de pouvoir jeûner 6 jours du mois de Shawwal. C'est pour ne pas arrêter de manière trop brutale. C'est pour garder aussi quelque chose de la dynamique du mois de Ramadan. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui jeûne les 6 jours du mois de Shawwal, ou 6 jours qu'il va pouvoir placer dans le mois de Shawwal, eh bien c'est comme s'il avait jeûné l'année entière. Donc oui, ça peut être un moment de vrai changement, de vrai déclic. Mais il faut absolument ensuite, après, préserver cela et l'ancrer dans notre vie, l'ancrer dans notre mode de vie. Il faut que notre mode de vie change. Par exemple, notre rapport à la nourriture. Après Ramadan, il faudra le changer. Le mois de Ramadan nous aide à sortir de notre façon habituelle de manger. Mais si ensuite, après, on se relâche complètement, eh bien, on se rendra compte que finalement, on aura perdu les bienfaits du mois. Très bien. Prochaine question. Notre imagination n'est-elle pas limitée à nos expériences de vie? Comment ne pas se perdre dans l'imaginaire pour des questions aussi cruciales que celles de la spiritualité?
Alors, il faut bien comprendre ce qu'est l'imagination. Souvent, dans le langage courant, imagination, c'est capacité à produire des chimères, c'est-à-dire produire des choses qui n'existent pas. Ça, c'est un des sens, mais c'est un sens restreint de l'imagination, c'est-à-dire partir dans des pensées chimériques. C'est pas de ça dont moi je parle. L'imagination, moi, je parle de la faculté d'imagination, la faculté de se représenter une chose. Et donc, il ne s'agit pas de partir dans une imagination infondée. Il s'agit de, quand on lit un passage du Coran, de bien se représenter les choses, bien se représenter les scènes. C'est de ça dont il s'agit. Vous voyez, donc c'est quand même très différent, en fait. Voilà. Question numéro 3, peut-on avoir une lecture qualitative, initiatique du Coran seul? Alors, qualitative, oui. Alors, initiatique, non, puisque par définition, initiatique veut dire transmis, transmission, que un cheikh nous transmet tel passage à méditer parce que on étudie avec lui, parce qu'on suit son enseignement et qu'il nous connaît et qu'il voit que tel passage va être bénéfique pour nous dans notre cas particulier. Donc ça, c'est initiatique, c'est un conseil particulier. Mais spirituel, oui, bien sûr. Spirituel, au sens où, par exemple, si vous lisez le livre de Al-Ghazali, Lire et comprendre le Coran, il donne certains conseils et certains passages à méditer et la façon de le méditer. Mais chacun d'entre nous avons pu, à un moment ou à un autre, expérimenter que telle sourate nous touche davantage, que tel passage nous a touchés davantage. Quand un passage nous touche, ça veut dire qu'il faut rester dessus, il faut travailler ce passage, il faut l'assimiler davantage. Parce qu'on n'est pas tous, on n'entre pas tous dans le Coran par les mêmes portes, en fait. Il y a des portes, comme dit Al-Ghazali, il y a des portes multiples pour le Coran. Par exemple, dans le Coran, il y a des serments, n'est-ce pas? Il y a des sourates qui commencent par des serments. Tout le monde n'est pas sensible de la même façon aux serments, surtout au début d'un cheminement dans le Coran. Certains vont être davantage sensibles aux descriptions de l'au-delà, par exemple, ou ils vont être davantage sensibles à ce qu'ont vécu les prophètes. Comment les prophètes ont vécu, les épreuves qu'ils ont traversées, la patience qu'ils ont eue dans l'épreuve, ça va leur parler, ça va les toucher. Bon. Donc chacun arrive avec une sensibilité plus grande à tel ou tel type de passage. Eh bien, il faut approfondir cela. Pour vous donner un exemple personnel, quand j'étais jeune, et notamment quand j'étais étudiant, j'étais très touché par les passages qui évoquent les prophètes en général, leur vécu et la façon dont ils ont réagi aux épreuves, en tant qu'exemple, l'exemple même qu'ils nous donnent. Bon, donc c'est quelque chose sur lequel je suis resté plus longtemps, parce que personnellement, ça me parlait, personnellement, ça me touchait très profondément. Et les serments, par exemple, moins, parce que c'était des choses pour lesquelles j'étais moins sensible, et c'est venu un peu plus après, disons, vous voyez. Donc, chacun, en fait, a aussi une sensibilité qui fait que tel ou tel type de passage va être une nourriture plus accessible pour lui. Attention, je suis métier. Très bien. Très bien. Merci. On peut en prendre encore deux, trois questions, ça vous va? Alors, deux, trois questions, Charles-Marie. Ok. Comment contrôler ses pensées? Je pensais que le dhikr en tant que tel suffisait, mais même pendant mon dhikr, j'ai du mal à contrôler mes pensées. Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme, hein. Il faut accepter, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça ne se fait pas en quelques semaines ni en quelques mois.
C'est vraiment sur les années. Mais comme je l'ai dit, quand on, par exemple, on pratique le dhikr, on répète la formule, au début, on est concentré sur la formule que l'on récite. Et puis, à un moment donné, notre pensée par ailleurs, dès qu'on remarque qu'on est distrait, il faut revenir à la formule. Si la formule, par exemple, c'est Astaghfirullah, par exemple, alors on revient à la demande de pardon, à l'attitude de repentir, à la conscience de nos manquements. Et il se peut qu'une minute après, notre pensée reparte. Eh bien, on revient à chaque fois et on ramène notre pensée à chaque fois. Et en fait, à force de ramener notre pensée, c'est comme un dressage, si vous voulez. C'est comme le dressage d'un animal. Quand on veut dresser un animal, on lui donne un ordre et puis on va lui faire faire le geste. Si on veut que l'animal s'assoie, on lui dit assis et on lui montre ce qu'on veut. On le pousse pour qu'il s'assoie. 5 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois, et vient un moment où, dès qu'on lui dira assis, il va s'asseoir, parce qu'il va donc intégrer cet ordre. On pourrait dire que c'est un peu la même chose avec notre pensée. Elle vagabonde, mais à force de la ramener, à force de se concentrer, à force de l'empêcher de vagabonder, elle développe une capacité à rester sur ce que l'on est en train de dire, ce que l'on est en train de réciter. Alors, il y a une chose aussi, c'est que il ne faut pas être trop perfectionniste non plus. Ça aussi, beaucoup de nos frères et sœurs ne se rendent pas compte qu'ils sont trop perfectionnistes. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'être humain est faible et qu'en tant que créature faible, c'est normal d'être imparfait et de faire les choses de manière imparfaite. C'est normal. Allah Ta'ala n'attend pas de nous la perfection. Il attend de nous l'effort, en fait, simplement. Il attend de nous qu'on maintienne notre effort dans la durée, jusqu'à la fin, inshallah, de notre vie. Mais il se peut que, jusqu'à la fin de notre vie, on n'ait pas réussi à changer tel ou tel aspect de notre personnalité. Et ça n'est pas grave, je dirais. Ça n'est pas grave tant qu'on est dans l'effort, en fait, tant qu'on est dans l'intention de changer. Donc, lorsque vous faites l'effort de vous concentrer dans le dhikr et que vous avez été distrait, alhamdoulilah, vous avez fait votre effort et Allah le voit et c'est ça qui compte. Si on se dit, mais ça ne sert à rien, je n'ai pas été concentré, etc., on est en train de s'affaiblir soi-même et puis vient un jour où on abandonne, tout simplement, parce qu'on n'a plus, on perd, disons, la motivation, on perd la conscience que c'est un bien pour nous. Très bien. Ce que je dis souvent, c'est que le perfectionnisme, c'est l'ennemi du perfectionnement. C'est-à-dire que quand on est perfectionniste, on n'arrive plus à se perfectionner parce qu'on est trop exigeant, on est trop dur avec soi-même, on est trop... Parce qu'Allah Ta'ala attend de nous le perfectionnement, mais pas la perfection. Il attend de nous qu'aujourd'hui, on essaie d'être un peu meilleur qu'hier. C'est ça le perfectionnement finalement. C'est qu'aujourd'hui, j'essaie de faire un peu mieux qu'hier et demain, inchallah, un peu mieux qu'aujourd'hui. Mais la perfection, elle ne nous appartient pas. Et le proverbe qui dit « Al-Kamal ou Lillah », c'est une sagesse. Très bien. Dernière question. La question de notre sœur Dorothée. Comment mettre en place concrètement une retraite spirituelle chez soi ? Alors, je suppose que c'est dans le contenu, c'est ça ? La question pose, que faire ? Alors, dans le contenu d'une retraite spirituelle, qu'on appelle i'tikaf, il peut y avoir de multiples œuvres d'adoration. Il peut y avoir des prières, des rak'at, il peut y avoir des récitations du Coran, et il peut y avoir du dhikr. Et il est bon d'alterner justement les différents types d'adoration pour éviter de perdre en dynamisme, en motivation,
et de se lasser, disons. Et donc, on va alterner les différents types d'adoration. Donc, comme je l'ai dit, prière, lecture du Coran, formule de dhikr, prière sur le prophète, c'est un acte d'adoration qui est très important aussi. Certains ajoutent même la lecture d'ouvrages sur la foi, d'ouvrages spirituels. Ils le mettent dans ce cadre-là, c'est-à-dire que peut prendre un temps pour lire un ouvrage qui va nous enrichir sur tel ou tel domaine de la foi. Et d'autres préfèrent quand même que ce soit des actes d'adoration au sens direct, c'est-à-dire vraiment des actes rituels, disons. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est la variété. Il faut varier les actes d'adoration, parce que si on reste trop longtemps sur un seul et même acte, on perd en concentration, on perd en qualité de présence, etc. Voilà. Très bien. C'était la dernière question dans la Clofic Professeur pour le temps que vous nous avez consacré. Je vous laisse conclure. Peut-être. Pardon ? Je vous laisse conclure. Naam. Alhamdulillah. Donc, on va conclure avec quelques du'as. Avant de faire les du'as, un petit rappel que je me fais à moi-même, mais... et à vous-même, de tirer le plus grand profit possible de cette période bénie. C'est un temps béni, c'est un temps précieux dans l'année. Le prophète et les compagnons espéraient toujours pouvoir atteindre le prochain Ramadan. Ils disaient « Allahumma ballighna Ramadan », ce qui veut dire « Oh mon Dieu, permets-moi d'atteindre le mois de Ramadan ». C'est une période bénie. Profitez-en, profitez de chaque journée, de chaque heure, de chaque minute de cette période. Profitez du moment de l'iftar avec les du'as qui sont exaucés à ce moment-là. Profitez du moment du sahur, quand vous vous levez, parce que c'est le dernier tiers de la nuit, et que donc c'est un moment aussi où les du'as sont particulièrement exaucés. Profitez donc autant que vous le pouvez de chaque instant de ce mois béni. Et puis, essayez de vous organiser, de vous préparer à pouvoir faire des moments de retraite spirituelle dans les derniers 10 jours, parce que c'est extrêmement important, et ça conclut le mois, ça parachève, inshallah ta'ala, tout le mois. Et on va conclure par le dua, inshallah ta'ala. Allahumma ya rahmanu ya rahim, iftah alayna abwaba rahmatik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك في شهر رمضان اللهم افتح علينا أبواب رحمتك في شهر رمضان اللهم انفعنا ببركات شهر رمضان واجعلنا يا إلهنا من الصائمين المقبولين يا رب العالمين اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا من المهديين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ممن يحظى بأجر ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يحظى بأجر ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يحظى بأجر ليلة القدر واغفر لنا ولجميع الصائمين اللهم اغفر للصائمين والصائمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله à très bientôt, assalamu alaikum, merci à tous. Barakallahu fik. Wa barakatuh.